Salut les basketteurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je suis avec un basketteur, il a 5 ans, il mesure 1 mètre, combien? Tu mesures 1 mètre combien? 1 mètre 30, 1 mètre 40? Ça fait depuis l'âge de 3 ans, il joue au basket, depuis l'âge de 3 ans, il est passionné, depuis l'âge de 3 ans, il adore ça, il veut devenir basketteur quand il sera grand. Et aujourd'hui, je vais lui poser quelques questions. Donc, est-ce que tu as un joueur préféré dans le basket? Oui. C'est qui ton joueur préféré? C'est qui ton joueur préféré au basket? Les blancs. Les blancs? C'est qui les blancs? Les blancs, ils peuvent marquer. Ok. Et les noirs, ils perdent, mais quand même, ils gagnent. Ok. Et quand même, moi, je peux marquer plus haut. Ok. Et je peux leur montrer que je peux réussir à marquer plus haut. Tu peux repartir. Tire. Waouh, presque. Drip. Presse. Wow. Wow! Non, tu vois, plus en haut, c'est trop facile. Donc, ce que j'aimerais, le message que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est un message clair et net pour vous dire que la passion, elle se nourrit tôt. Une passion, tu peux être passionné par le basket, mais si tu nourris pas ta passion, tu augmentes pas ton envie de devenir meilleur. Tu n'augmentes pas ton envie de devenir... de grandir. Et sinon, si tu abandonnes, tu peux plus grandir. Et comme ça, tu vas rester petit pour toujours. Voilà, donc, il ne faut jamais abandonner. Si quelqu'un il abandonne, il n'arrivera jamais. Voilà, donc si tu abandonnes et que tu nourris pas ta passion tous les jours, tu vas abandonner. Mais si tous les jours, tu fais un peu... J'ai pas envie d'abandonner. Voilà, mais tous les jours, il faut faire un peu. Tous les jours, un peu, et tu donnes au game. Si tu donnes au game ce que tu lui donnes, le game te rendra ce que tu lui as donné. Ne triche pas,
Ne cherche pas à passer à gauche, à droite. Soumets-toi au game. Soumets-toi au travail. Soumets-toi à la discipline. Soumets-toi au respect du game. Et tu auras ce que tu veux. Là, on est dans la salle de muscule. Je suis avec mon fils. On a fait des petits trucs. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, la muscu, c'est arrivé à un certain âge, c'est pas important. Il faut rien lâcher. Il faut continuer. Il faut que je continue. 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 Bien, mets-toi devant le miroir, comme ça tu te vois. Non, c'est pas comme ça. Si tu as l'opportunité de rentrer dans une facilité comme ça et commencer à faire des petits exos, moi-même aujourd'hui, je n'ai pas soulevé de fou. Tu vois, là, il y a des gros trucs, je ne veux même pas y toucher parce que je ne veux pas me blesser. J'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'étirements, j'ai fait une 45 minutes d'étirement, j'ai fait un petit peu de. J'ai pris les petits poids qui sont là-bas. On a fait ça, tac. On a utilisé cette machine-là. Si tu vois, tu vois pas, mais ici, c'est à 10 kilos, il n'y a pas beaucoup. Comme moi, ça fait longtemps, j'ai pas fait beaucoup de muscles, j'ai pas fait de muscles intensifs. Je me suis dit, tiens, tout doucement, fais des petits trucs. Et quand tu es jeune, c'est pareil. Fais des petits trucs, ça sert à rien de faire des gros trucs. Ok? Donc, c'était le message aujourd'hui pour ma jeunesse, pour les jeunes basketteurs, pour les tout petits jeunes. Nourrissez votre passion. Parce que lui, il a 5 ans et il nourrit sa passion. Il nourrit sa passion tous les jours, avec le ballon, avec quand il va dehors, quand il regarde le basket à la télé, et dans sa tête, c'est inculqué le basket. Donc si tu veux aller plus loin, fais-le tous les jours. Il n'y a pas de secret. Fais-le tous les jours. Commentez s'il y a des questions, likez si c'est bon, dislikez si c'est pas bon, et abonnez-vous si c'est une chaîne Pardon. si c'est une chaîne qui vous intéresse. Parce qu'ici, on ne parle que de basket. Que tu aies 5 ans, 6 ans, 7 ans, 17 ans, on va t'aider à devenir meilleur dans ton basket. C'est ce qu'on fait, non? Oui. Quel est le dernier message pour dire au revoir? Au revoir, les basketteurs. Yes. Il faut apprendre à faire tout ça et il faut jamais abandonner.